Yo, salut à tous. Petite vidéo rapide pour parler de l'APK, parce qu'il y a pas mal de gens qui galèrent encore à installer la nouvelle mage sur leur émulateur. Donc j'ai décidé de vous faire une toute petite vidéo. Voilà, ça va être assez court, mais c'est vraiment pour aider ceux qui peuvent pas télécharger la nouvelle mage. Donc normalement, quand vous allez sur APK pur, ça ne marche pas. Donc ça n'a pas encore été mis à jour, donc vous pouvez pas télécharger la nouvelle mage sur APK pur. Donc vous pouvez utiliser APK combo. Mais il se trouve que APK Combo ne fonctionne pas sur certains de vos émulateurs. D'ailleurs, mon émulateur n'a pas marché quand j'ai voulu télécharger sur ce lien. Et du coup, j'ai dû faire une manip un petit peu différente. Donc ce qu'il faut faire, donc si ce lien, déjà essayez ce lien sur votre émulateur si vous ne l'avez pas encore fait, si ce lien ne fonctionne pas, vous allez télécharger, enfin vous allez rentrer ce lien. Celui-ci que je mettrai dans la description, sur votre ordinateur et non pas sur le navigateur de votre émulateur. C'est très important. Donc vous rentrez ce lien, enfin vous, du coup vous allez juste cliquer sur le lien dans la description, vous allez arriver sur cette page. Vous n'allez pas télécharger tout de suite l'APK. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger APK Installer. Donc vous téléchargez ça va très vite. Et une fois que c'est fait, vous allez arriver sur un truc comme ça, sauf que vous n'aurez pas encore ça, d'accord? Vous allez arriver sur cette petite fenêtre, et à ce moment-là, vous allez télécharger l'APK. Une fois que vous aurez téléchargé l'APK, ça va arriver dans cette fenêtre, et à ce moment-là, vous allez faire clic droit, Open APK File, il me semble que c'est ça. Du coup, vous arrivez ici, et là, vous sélectionnez celui qui correspond à ce que vous venez de télécharger, vous faites Ouvrir avec. Nox Player et ça va automatiquement vous télécharger la nouvelle mise à jour sur votre émulateur. Si ça fonctionne pas, désinstallez le jeu au préalable et ensuite refaites la même manip, ça va forcément fonctionner. Voilà, donc ça c'est pour les gens qui n'arrivaient pas à réinstaller le jeu, donc j'espère que ça va vous aider, j'espère vraiment, puisque c'est quand même un peu chiant de ne pas pouvoir jouer. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine fois, j'espère que ça vous aura aidé, salut!